Quand je suis à Paris, on me dit que je suis pas normal, que je parle trop, que je suis trop expressif, que je suis trop ceci, trop cela. Tandis que là, dès qu'on arrive à Nice, je me sens dans mon élément, je suis tout à fait normal, tout le monde crie comme moi, tout le monde parle fort comme moi, tout le monde a toujours un truc à dire comme moi. C'est mon terroir, c'est mon littoral, c'est le lieu de mes conflits. C'est une ville où on lit tout autant Lorient le jour que Nice matin. Et je m'y sens très bien. Je trouve qu'on la caricature beaucoup trop, les gens qui la connaissent pas. Moi, j'aime bien la caricaturer à ma façon parce que je la connais. Comme dessinateur de bande dessinée, comme scénariste, comme cinéaste, il n'y a pas d'endroit où je sois plus heureux que Nice. Bonjour Johan Sfar. Bonjour. Vous êtes l'auteur de bande dessinée qui dessine plus vite que son nom. 182 ouvrages déjà. C'est vertigineux. Le dernier s'intitule Synagogue. Il se déroule ici, dans votre ville natale, Nice. La couverture, c'est ce magnifique lycée Masséna. Vous le connaissez bien, ce lycée? Mais oui, c'est là que j'étais. C'est un lieu historique de Nice. Et comme le livre parle de combat et de virilité, c'était aussi le lycée de Joseph Kessel et de Romain Gary, deux figures. Je crois qu'il y a notre guide qui nous attend. On va pouvoir sillonner avec vous la ville. Avec grand plaisir. Merci. Allez, on y va. Nice est un trésor de la Côte d'Azur, avec son héritage franco-italien, ses demeures aristocratiques, ses palmiers, ses jardins, ses musées. Grâce à son climat incomparable, la ville attire depuis longtemps des expatriés du monde entier. C'est d'ailleurs en tant que villégiature d'hiver de Riviera que Nice a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour Tom. Eh ben, bonjour. Bonjour. On est sur la place Garibaldi, c'est la place la plus célèbre de Nice, la plus ancienne aussi. Pourquoi? Ben, en effet, car déjà c'est la plus vieille, car elle date du fin 18e siècle, et aussi car elle porte le nom du niçois le plus célèbre du monde, Giuseppe Garibaldi, le père fondateur de l'unité italienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il a aidé le roi Victor Emmanuel à unifier l'Italie telle qu'on la connaît, parce qu'avant c'est juste une appellation géographique composée de plusieurs états. Garibaldi, il est un peu à l'origine du mauvais caractère des Niçois. C'est-à-dire que Nice, elle n'était pas italienne, mais elle n'était pas française non plus. Et en 1860, on a fait voter les Niçois, mais on les a un peu forcés à devenir français. Sauf que Garibaldi, il a dit non. Et ce personnage important, natif de Nice et qui a fait la guerre en Italie, il a aussi continué à dire, mais non, Nice doit rester indépendante. Et les Niçois, encore aujourd'hui, ils se rêvent un peu en principauté de Monaco numéro 2. Quand on regarde de plus près tous ces bâtiments, il y a énormément de trompe-l'œil sur les façades. C'est quand même très réaliste. En effet, ces trompe-l'œil, on peut les voir partout dans la ville, même dans la vieille ville. On fait un peu du faux avec du vrai avec du faux. C'est d'abord des cache-misères, mais aussi à l'époque, il y avait des taxes sur tout ce qui était balcon et fenêtres. Pour éviter de payer des taxes, ils voulaient faire croire aux autres qu'ils étaient riches, mais ils préféraient peindre des fenêtres pour le côté esthétique. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que la cuisine niçoise, c'est une cuisine populaire. Donc le pan bagna, c'est un sandwich à l'huile. La soca, c'est une crêpe à l'huile. La pissaladière, c'est une tarte à l'huile. Vous connaissez la blague du niçois qui rentre chez lui et il voit sa femme en train de mettre un litre d'huile dans la poêle et il lui dit « Chérie, ça sent bon, qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle lui dit « Je sais pas encore. » Cette cathédrale, Tom, c'est l'un des joyaux de la ville. Exactement, c'est la plus grande cathédrale de la ville. C'est la cathédrale Sainte-Réparate, c'est un peu la sainte patronne de la ville. Et elle, juste pour son histoire, c'est une palestinienne originaire du 3e siècle environ, chrétienne du coup ils l'ont tuée. Et ils auraient mis le corps de la jeune fille dans une barque, et cette barque elle serait arrivée jusqu'à Nice. Et lorsque les pêcheurs auraient vu la barque, ils auraient vu la barque poussée par des anges. C'est pour ça qu'ils auraient donné le nom de la baie des anges à la mer le long de la promenade.
Vous aimez cet édifice, vous nous en parliez tout à l'heure. Ah oui, moi on m'y emmenait tout petit à l'école. Moi j'avais l'habitude des synagogues. Les églises, c'est plus spectaculaire. Il y a des peintures un peu impressionnantes, il y a des petits doigts de saints dans des boîtes. Je trouvais ça fascinant, j'adorais. Alors l'autre chose que j'aimais beaucoup, c'est le glacier Fenocchio. Ils ont plus de 100 parfums délicieux. Le plus banal et mon préféré, c'est Gianduja, ce chocolat italien. Les plus étranges, il y a blettes. Les blettes, c'est quand même... Il y a cactus. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir, monsieur, une boule de miel pignon ? Et là, c'est le passage obligé du politicien niçois. Qu'il soit de droite ou de gauche, il vient ici, il serre des mains. Ceux qui ne viennent pas, ça se remarque. Votre coloriste, je crois, s'est inspiré des couleurs du marché aux fleurs. Ah, ma coloriste, elle vient d'Irak. Je lui fais colorier l'Algérie qu'on connaît ni elle ni moi depuis 20 ans. Et Nice, ça ressemble. Voilà, d'accord. C'est la Méditerranée. C'est vrai que c'est une ville éblouissante, c'est une ville de couleurs, c'est une ville de bruit. Et parfois, on peut s'endormir quand on vit à Paris ou quoi. En tout cas, on perd cette énergie. Et dessiner Nice, c'est retrouver cette puissance joyeuse, qui peut être aussi de la colère aussi. Hein. C'est des couleurs qui disent toutes sortes de choses. Mais c'est vrai que le niçois, il ressemble à ces couleurs-là. Johann Sfar, Nice, c'est la ville de votre adolescence, de votre convalescence, de votre renaissance. Je sais que vous avez eu un mauvais Covid qui a failli vous jouer un mauvais tour. C'était important pour vous de revenir aux sources dans cette ville qui vous a vu naître ? Bah, j'y suis né, j'y ai vécu 22 ans. Et là, ça fait assez longtemps que je suis parti pour que ça me manque. Ouais. J'ai passé des années peut-être à essayer de fuir mon enfance. Et là, je m'y replonge avec délectation. Et le théâtre des opérations, c'est Nice. Bien que le lycée Masséna soit en couverture de votre dernier ouvrage, il s'intitule « La synagogue ». Et vous vous donnez beaucoup de mal, je trouve, pour être à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Est-ce que ça résume votre rapport à la religion ? Oui, vous avez tout dit. Mon père est devenu croyant au décès de ma mère. J'ai perdu ma mère avant l'âge de 4 ans. Et il a exigé qu'on aille à la synagogue à chaque fois que c'était possible. Moi, ce n'était pas ma première passion dans l'existence. Donc, dès que j'ai découvert... Si je lui disais « je ne vais plus aller à la prière », il ne me parlait plus. Donc, dès que j'ai découvert qu'on avait le droit de monter la garde devant plutôt que d'être dedans, j'ai trouvé que c'était une alternative préférable. Manque de bol, même à Nice, dès que je monte la garde dehors, il pleut. Donc, on me voit beaucoup sous la pluie dans cet ouvrage. Ce livre sur votre jeunesse rend hommage à votre père, qui était un sacré bagarreur dans les prétoires, en politique, mais aussi de temps en temps dans la rue. Est-ce que cela fait de lui un héros méditerranéen ? Pour l'enfant que j'étais, oui. On parle aujourd'hui beaucoup de masculinité toxique. Alors voilà, mon père, il avait tout ça. C'était à la fois un héros des prétoires, puisque c'est un avocat qui a fait mettre en prison des néo-nazis. Et de l'autre côté, dans la rue, il lui restait ses souvenirs d'enfant d'Algérie. Dès qu'on l'embêtait, il mettait des coups de poing. Il était très bagarreur. Donc j'ai grandi en l'admirant beaucoup. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de distance. Mais c'est vrai que c'est un livre, c'est une lettre d'amour à mon père. Ça, c'est une certitude. Vous évoquez aussi votre mère, vous l'avez dit, qui est partie très jeune. Vous n'aviez que 4 ans. Comment l'artiste que vous êtes s'est construit sur ce vide ? Moi, je ne connais pas ma mère, c'est aussi bête que ça. Donc, c'est une très belle femme, elle était chanteuse, tout lui réussissait. Puis une nuit, elle s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée. Et on a grandi, mon père et moi, face à cette absence. Donc, ce qui explique aussi, c'est vraiment ça le sujet du livre, c'est l'omniprésence d'un père viril avec toutes les valeurs qui n'ont pas été contrebalancées, peut-être par la douceur d'une maman. Donc quand j'étais petit, je n'avais pas de recul. Votre rapport à l'identité juive est très présent dans vos ouvrages, mais vous vous servez aussi beaucoup de vos obsessions, de vos émotions pour dessiner. Est-ce que vous avez besoin de vous ancrer dans une réalité, votre réalité, pour créer ? Moi, je travaille beaucoup sur l'imaginaire, mais j'ai besoin de partir du vrai monde. Peut-être que ce qui me caractérise le mieux, et mes lecteurs s'en rendent rarement compte, c'est que le chat du rabbin, il n'est pas juif. C'est qu'au milieu d'une famille juive, il y a ce chat qui apparaît et qui les regarde comme des extraterrestres. Et finalement, on est chacun comme ça vis-à-vis de nos familles. C'est-à-dire qu'on est... Sans avoir encore compris la tradition familiale, on grandit, on regarde, on trouve tout étrange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où on n'est pas encore intégré dans sa propre famille. Dès qu'on a réussi son intégration, ça m'intéresse moins. Votre 15e carnet autobiographique vient de sortir. Il s'intitule « On s'en fout quand on est mort ». Vous nous parlez de vos vies multiples, mais c'est aussi une fenêtre ouverte sur notre société. Quelle réflexion vous nourrissez ?
Je me promène avec des carnets depuis maintenant 15 ou 16 volumes et je raconte ce qui m'arrive, je raconte ce que je vois. Et sans m'en rendre compte, moi je vieillis, je grossis, la société change. Il y a des thèmes qui reviennent. Donc le rapport à la paternité, le rapport à mes enfants, le rapport à, oui, la tradition dont j'ai hérité, qu'est-ce que je vais faire du judaïsme? Moi je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant, pourtant il n'y a pas plus juif que moi. Donc c'est quoi le truc? Est-ce que le judaïsme c'est un courant littéraire? J'en sais rien. Est-ce que c'est une voie politique européenne? J'en sais rien. Mais en tout cas, ces questions, j'aime bien qu'on se les pose avec mes lecteurs, et j'aime bien lors des rencontres écouter ce que mes lecteurs ont à en dire. Vos œuvres sont peuplées de personnages, d'animaux truculents, de vampires attachants, beaucoup aussi de musiciens voyageurs. Comment est-ce que vous les construisez, les héros de vos bandes dessinées ? Ah, je ne sais pas comment je construis mes personnages. C'est comme si c'était une troupe de théâtre et que j'avais toujours les mêmes comédiens qui reviennent. Alors, je vais leur changer le costume, je vais leur changer la voix, mais c'est tout de même les mêmes personnages. Il y a toujours un personnage un peu provocant. Ça peut être le chat du rabbin, mais ça peut être d'autres personnages. Et il y a toujours des figures féminines que j'essaye de changer par rapport à l'emploi cliché qu'on va donner à une fille dans les bandes dessinées d'habitude. C'est-à-dire que j'essaie de m'identifier à elle. Vous êtes quelle femme, Joanne Sfar, aujourd'hui ? Ah, dans le chat du rabbin, je suis la fille du rabbin, ça c'est une certitude, d'autant qu'elle est inspirée de ma grand-mère. Sinon, dans la vie, je suis une vieille dame assez pénible. C'est-à-dire que j'aime bien râler, j'aime bien... Je suis très vieille dame dans mes comportements. Évidemment, il y a le chat. Ce chat qui remet en question l'existence de Dieu, c'est votre chouchou, le chat. Le chat du rabbin, il est dans ma tête tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une connerie à dire, moi, dans la vie, je ne la dis pas. Par contre, le chat, il va la dire dans les pages. Dans la vie, je suis quand même plus prudent que lui. Hein. Vraiment, je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, surtout en ce moment. Le chat, non. Le chat, lui, s'en fout. Le chat du rabbin, c'est déjà plus d'1,5 million d'exemplaires vendus, traduits en plusieurs langues, dont l'arabe. C'est quand même un symbole, ça. Oui, on a sorti conjointement, il y a quelques années, une traduction hébraïque et une traduction en arabe qui a été principalement utilisée par des apprenants dans divers pays qui disaient « Mais nous, on veut apprendre l'arabe, mais on ne veut pas forcément l'apprendre dans des textes religieux. » Et c'était la même chose pour l'hébreu. Et ça me paraissait important que ça existe. Bon, le chat du rabbin, c'est aussi une star de cinéma. En 2012, César du meilleur film d'animation. Est-ce que l'image animée a donné une dimension supplémentaire à votre personnage ? À l'animation, ça permet de mettre des voix de vrais comédiens. Donc là, il y a une vraie incarnation, d'avoir Afsia Herzi qui fait la fille du rabbin, d'avoir Maurice Benichou ou François Morel qui font les autres personnages. Et ça permet aussi de toucher des enfants qui n'auraient peut-être pas lu la bande dessinée. Donc qu'on le veuille ou non, un film sera toujours beaucoup plus vu que la bande dessinée ne sera lue. Donc je suis ravi que ça existe. Tiens, rends-toi utile. Oh, combien le péril enrichirait les dieux ! Les dieux ? Oui ? Non, ça va pas. Bien. Le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va ? Oui. Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers. Vos premiers pas dans le cinéma, vous les avez faits en vous attaquant à un mythe, Serge Gainsbourg. Alors ce film, ce n'est pas exactement un biopic. Je sais que vous vouliez, enfin, vous aviez très à cœur que ce film n'entre pas en concurrence avec la légende Gainsbourg. Est-ce que c'est pour ça que vous avez créé ce petit compagnon, ce petit personnage qui accompagne Gainsbourg et qui symbolise un peu sa voix intérieure ? Bah oui, parce que moi je ne l'ai pas connu, Gainsbourg, j'étais juste un fan. Donc ma seule légitimité, c'était l'amour que j'avais pour lui et la lecture que j'avais sur sa vie. Mais c'était quand même extrêmement documenté. Je connais sa vraie vie par cœur. Et ensuite, j'ai tourné autour pour faire une légende qui, selon moi, rime un peu à quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai fait le film de Gainsbourg en me disant, tiens, et si Jean Cocteau faisait un Gainsbourg, ça donnerait quoi ? Lucien, je t'ai toujours dit que la chanson, c'est de la merde. Mais quand même, je suis fier. Ça me plaît. Ça se danse comment, les Javanais ? Direction à présent la Villa Arson, située sur la colline Barthélémy qui domine la baie des Anges. L'institution accueille un centre d'art contemporain, une école et des artistes en résidence. C'est là que nous retrouvons la compagnie niçoise de danse au nom évocateur, Humaine. Son directeur, le chorégraphe Eric Oberdorf, nous accueille dans ce lieu au charme inimitable. Vous êtes, je crois, en ce moment en pleine création de votre nouveau spectacle qui devrait s'intituler « Au nom du rêve ». Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?
C'est un spectacle participatif, c'est un spectacle qui vient parler de l'endroit d'enfermement dans son corps, dans son parcours, dans le rôle que la société nous attribue. Et on s'est aperçu avec le confinement qu'en fait, tout le monde avait compris ce que signifiait le mot être enfermé. Quand vous imaginez, quand vous bâtissez un spectacle, vous avez besoin d'abord de vous interroger sur quelque chose de notre société ou sur une notion humaine. J'ai besoin de partir d'un thème général et après je vais décider de quelle manière, par quel média je vais venir l'aborder. Ça peut être une pièce d'écriture purement chorégraphique, ça peut être un opéra, ça peut être du théâtre musical, ça peut être un film de danse. Vous comprenez ça, Johan, cette entrée en matière avant de créer ? Est-ce que oui. Vous avez la même approche, vous, quand vous dessinez ? Oui, je comprends et je me sens en sympathie parce qu'il y a une manière de proposer un chemin, parfois sans les mots, parfois sans l'histoire de l'art qu'on connaît. Et l'autre raison égoïste pour laquelle j'aime la danse, c'est que d'abord, j'y connais rien et ensuite, ça me donne envie de dessiner. Johan, est-ce qu'on peut être à la fois spectateur et dessinateur ? Ah ben, un dessinateur, c'est un spectateur. Moi, on m'a toujours dit, tu dois être... immobile comme le lézard sur le mur, mais attentif à tout. Donc le dessin, c'est un état, c'est pas une action. Donc je vois le danseur ou la danseuse faire un geste, moi j'y réponds avec mes petites connaissances de morphologie, d'équilibre, d'ombre. Comme dans une musique, il y a des thèmes qui reviennent. Donc si j'ai loupé le mouvement la première fois, ce mouvement, il va revenir. Et moi, il me semble que dans la gestuelle, il y a un registre mélodique. Effectivement, il y a des choses qui reviennent, il y a une attitude qui va revenir, et quand on vient aborder un sujet, on va tourner autour, on va peut-être qu'il va être dans les dimensions, dans l'énergie différent, mais la substance sera là, la substantifique moelle. On va se dire au revoir en musique, histoire de voir la vie en rose avec Anne Carrère qui vient d'enregistrer un album consacré au répertoire d'Édith Piaf. Et c'est ici, à Nice, qu'elle a répété avec tous ses musiciens le tour de chant de son nouveau spectacle. On se quitte avec un extrait. Oh.